La reine a rapidement mis fin à une conversation avec Kate Winslet en repoussant sa poignée de main lorsqu'elle a récupéré son CBE, a rappelé l'actrice dans un talk show. Madame Winslet a été félicitée pour son travail d'Akent et sa performance générale dans Mare of Easttown, qui a remporté lundi 16 nominations aux Emmy Awards, dont une pour la meilleure anthologie ou série limitée, ainsi que 3 prix d'interprétation. La star du Titanic, qui a interprété le détective Marshian dans le drame, a obtenu sa 3e nomination aux Emmy avec un clin d'œil pour l'actrice principale dans une série ou un film limité ou d'anthologie. Après avoir déjà remporté un Emmy pour l'actrice principale dans une mini-série ou un film en 2011 pour elle performance dans l'émission HBO Mildred Pierce. L'acteur oscarisé, dont la préparation pour le rôle de Mar comprenait l'abonnement à un journal local du comté de Delaware avant le tournage, a laissé entendre cette semaine que la série à succès pourrait revenir pour une 2e saison. Madame Winslet a déclaré à Deadline, « J'adorerais la jouer à nouveau. Je crois absolument qu'il y a plus de chapitres dans son histoire. » Cependant, juste parce que l'histoire a touché les gens, cela ne signifie pas nécessairement de manière créative que nous pouvons le refaire. Mais cela ne signifie pas fermer les portes. Nous ouvrons des portes, explorons ce qu'il y a derrière les portes. En 2012, lors de la remise d'un prix très différent à CBE au palais de Buckingham, la reine a subtilement laissé entendre que leur conversation était terminée en repoussant la main de Madame Winslet, selon l'actrice. Lors de son apparition dans l'émission Graham Norton en 2019, Madame Winslet a rappelé. Elle a fait cette chose des plus extraordinaires. Tout d'abord, elle a la peau la plus incroyable et de beaux cheveux rebondissants. Bien sûr, il y a un système et elle est très bien entraînée et très bien entraînée à cela. On vous dit quoi faire et vous avancez et faites une révérence ou tout autre tâtonnement, une chose terrible que j'ai probablement faite.